Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit la relation de proportionnalité inverse. La relation de proportionnalité inverse, il y a deux variables et ils changent en sens inverse, donc son nom le dit. Les changements ne se font pas de façon constante et la valeur de la variable dépendante diminue très rapidement au début et puis elle cherche à se stabiliser. Donc on va y aller avec un exemple, c'est sûr qu'il y a le plus facile. On va voir comment on fait la table de valeur, qu'est-ce qu'il y a à remarquer dans la table de valeur et qu'est-ce qu'on fait pour le graphique. Donc, exemple 4. Toi et les personnes de ton travail avez acheté un billet de 6,49 et vous avez gagné 100 000 $. La somme que recevra chacun dépend donc du nombre de personnes formant le groupe. Représente cette situation à l'aide d'une table de valeur et d'un graphique. Donc, première des choses, on voit dans la phrase que la somme que recevra chacun dépend du nombre de personnes formant le groupe. Donc, ici, on a nos variables indépendantes et dépendantes. La somme que recevra chacun dépend. Donc, la somme, elle est dépendante. Donc, la somme reçue, qui va être en dollars, moi, ici, je vais la mettre en milliers de dollars, donc K dollars, parce que ça va être beaucoup moins long et des beaucoup moins grands nombres dans ma table de valeur. Et la variable indépendante, ça va être mon nombre de personnes. Vous pouvez écrire nombre NB. Deux personnes. Quand c'est un nombre, il n'y a pas d'unité. Je vais mettre mon titre. Le titre va être la somme reçue par chacun selon le nombre de personnes. On va tasser ça un peu. Je marque de place. Son nombre de personnes. C'est toujours un titre variable dépendante selon variable indépendante. Et là, on va commencer à placer les valeurs dans notre table de valeurs. Donc, si on se fie à ce qu'on a vu avec la relation linéaire directe, normalement, on commencerait à 0. Cependant, lorsqu'on commence avec 0, dans ce cas-ci, il faudrait prendre 100 000 $ et le diviser par 0. Et vous allez voir sur votre calculatrice que 100 000 divisé par 0, peu importe quel nombre divisé par 0, ça se peut pas. Donc ici, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? On ne peut pas séparer 100 000 $ en 0 personnes. Au minimum, on va séparer ça à une personne. Donc c'est une situation qui n'est pas définie pour 0 personnes. Pour une personne, ben, la personne va avoir 100 000. Donc, elle va avoir 100 000. Et comme ici, je suis en K dollars, ben c'est 100 000. Je n'écrirai pas les trois derniers zéros. Je peux y aller avec deux personnes. Ben, deux personnes, ça va être 50 000. Trois personnes, ça serait 33 333. On va laisser faire. Pour quatre personnes, ce serait 25 000. Pour cinq personnes, ce serait 20 000. Et là, je pourrais aller. Si je veux calculer facilement, là, je vais y aller à 10 personnes. Et à 10 personnes, ça va être 10 000. Maintenant, avant de faire le graphique qui est associé à cette situation-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du produit constant. Donc, le produit constant, c'est quoi? C'est comme ça qu'on reconnaît une relation inversement proportionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par produit constant? Premièrement, produit constant, on va utiliser l'abréviation K. Okay, donc, produit constant, K. Là, d'ailleurs, pourquoi K pour produit constant? Bien, on pense que ça viendrait de l'allemand. Là, pour constante en allemand, ça commence par un K. Donc, mon produit constant, comment est-ce que je le calcule? Bien, tout simplement en multipliant, pas en divisant. Quand on avait une relation inverse, linéaire directe, on divisait. Le y par le x. Ici, on va les multiplier. Si je faisais 100 divisé par 1, ça ferait 100. Si je faisais 50 divisé par 2, ça ferait 25. Puis 25 divisé par 4, ça fait 6,75. Donc, ce n'est pas un coefficient de proportionnalité. Le produit constant, c'est quoi? Eh bien, c'est que 100 000, parce que c'était 100 000, hein, fois 1, ça donne 100 000. Que 50 000 fois 2, ça fait 100 000. Que 25 000 fois 4, ça fait 100 000. Et etc. Donc ça, c'est le produit constant. C'est comme ça que je reconnais
une relation inversement proportionnelle à l'aide de sa table de valeurs. Comment est-ce que je représente ça dans mon graphique? Bien, la première des choses que je dois faire, je dois placer mes axes. Donc, je l'ai placé ici. Je ne prends jamais la dernière case. C'est plus facile après ça pour placer les valeurs. Donc, j'ai mes deux axes. Je vais placer mon titre. Donc, somme reçue par chacun selon le nombre de personnes. Je vais identifier mes axes. Donc, mon nombre de personnes est sur l'axe horizontal. Sur mon axe vertical, je vais mettre la somme reçue qui est en milliers de dollars, K$. Pour mon nombre de personnes, moi, je me suis rendu jusqu'à 10 dans ma table de valeur. Donc, je vais mettre mon 0 ici sur le coin. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce n'est pas très efficace au niveau de la gestion de l'espace. Donc, je vais mettre une personne à toutes les deux cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue par la suite. Et mon axe vertical, je dois me rendre à 100 000 $. Si je regarde mes graduations, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, disons 20. Si je fais, je vais aller chercher ma calculatrice. Si je fais 100 000 divisé par 20, ça va me donner 5 000 par graduation. Mais là, au lieu d'écrire 5 000, 5 000, 10 000, etc., je peux être efficace. Je peux y aller par 10 000 à toutes les deux graduations. Ça veut dire qu'une graduation, c'est 5 000. Donc, c'est ici, c'est 10 000. C'est ici, c'est 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Pourquoi je n'écris pas le 1 000? Parce que c'est K$ dans mes unités. 60 000, 70 000. 80 000, 90 000 et 100 000. Et là, je vais placer mes points. Mon premier point, ce n'est pas, c'est zéro, c'est impossible. Donc, ça ne se peut pas. À 1, une personne, c'est 100 000. Donc, je place mon point ici à 1, 100 000. 2, c'est 50 000. Donc, vis-à-vis du 2, je me mets à 50 000. 3, je ne l'ai pas fait. 4, ce serait 25 000. Donc, 25 000 va être facile à placer parce que j'ai gradué par 10 à toutes les deux graduations. 5, c'est 20 000. Et 10, c'est 10 000. Et là, vous voyez que ce n'est pas une droite. À ne pas faire, ne faites pas des droites. On ne veut pas une ligne brisée. Ce n'est pas des droites qui relient des points. Il faut tracer à main levée. Donc, je sais que ça, ce n'est pas évident. Je vous demande de faire la courbe la plus smooth possible, qui passe par tous les points et qui continue comme ça. Donc, c'est de ça, colère, une relation inversement proportionnelle. C'est une courbe descendante qui va passer par tous nos points. À noter que ma courbe ici ne touche pas l'axe des Y parce qu'il n'y a pas de valeur initiale et qu'elle ne va jamais non plus toucher à l'axe des X. Pourquoi? Bien parce que ma courbe, jamais je vais arriver à 0$. Bon, j'avais 100 000 personnes dans mon groupe, chaque personne recevrait encore 1$. Puis si j'augmente mon nombre de personnes, bien je vais arriver à des fractions de dollars, donc des sous, puis des fractions de sous, mais je ne vais jamais arriver à zéro. Donc, voilà, on ne touche jamais ni à un axe ni à l'autre. C'est ça, une relation inversement proportionnelle. On se fera un autre exemple de relation inversement proportionnelle lors du prochain cours, mais pour aujourd'hui, ça suffit pour cette capsule.